Est-ce que je peux passer ça avec la... Ah oui, mais je peux passer ça avec la manette. Ah, ok. Ok, j'espère que ça va vraiment marcher. Bon, bienvenue. Bienvenue pour un petit jeu horreur. A priori, il est pas trop long. Donc ça va, je le fais pas trop tard non plus. Mais en vrai, il doit pas être trop long, donc parfait pour une vidéo. Et parfait pour une petite reprise aussi YouTube. Parce que pour ceux qui regardent ça des mois après, j'ai pas été très actif, on va dire, sur les réseaux. Mais bon, mais bon. Donc, petit jeu PC, je sais pas s'il est sur console aussi. En tout cas, il prend pas en charge ma manette 360, donc il y a encore des tests que je dois faire. J'ai pas encore lancé le jeu, parce que justement, il y a que du new game, et il y a pas de bouton continuer grisé, donc j'ai peur. Donc je préfère lancer le jeu comme ça, et voir après si la manette elle est prise en charge. Ou en tout cas, je gérerai après. On va voir. Et aussi, gérer le son et la luminosité, tout ça, tout ça. Allez. Hop, ma lumière. 1998, Brooklyn, à New York. Eh ben, cours d'histoire. Franchement, ils auraient dit Paris 2024, j'aurais pas vu la différence. Non, je suis mauvaise langue. Ah oui, il n'y a pas d'anglais. Je déteste cette ville, cette maudite ville. Les riches sont là-haut en train d'apprécier une super vie, alors que les bas sont en train de se battre pour des morceaux de pain en dessous. Ouais, pendant 45 ans, ils m'ont dit que j'aurais une chance de monter. C'était que des mensonges. Je suis toujours coincé en bas. Et obligé à garder... littéralement, ils travaillent pour eux, c'est un garde. Un garde de nuit. Oh yes! Oh, c'est pris en compte la manette. Ou par contre, la sensibilité. C'est un saut, ça? Mec! C'est un saut, ça! Attends, attends. D'ailleurs, c'est vachement sombre. Après, c'est peut-être fait exprès. Donc, pour l'instant, je vais pas toucher à la luminosité. Parce que les endroits où c'est éclairé, on voit très bien. Mais attends, mais ça, c'est un saut! T'as pensé aux Jeux Olympiques? Non, non, parce que, attends, t'as un moyen d'être riche, hein. Le mec, il peut cambrioler le troisième étage. Non mais... Putain de merde. Oh, c'est un zoom, ça? Ok, attends. Je prends en connaissance de cause les... Enfin, en connaissance de cause... Je prends en main les touches. Donc, rond, c'est sauter. J'ai pas de sprint. J'ai pas de... Pas de pistolet! Ah oh bah ça va être joyeux ça. D'accord, j'ai compris. Par contre, je vais juste changer la sensibilité. Ah yes, ok. Changer la sensibilité pour le PC, pour le clavier, ça a marché également pour ma manette. Parce qu'il faut... je l'ai déjà dit, mais justement, la manette, elle est pas prise en charge, et je viens d'apprendre, parce que oui, je suis en retard sur ça, que Steam a une mécanique... Oh, c'est un putain de klebs. A une mécanique qui fait qu'il traduit les touches du clavier sur la manette, qui est branchée à ton PC. En gros, c'est un logiciel de traduction sur le moment, quoi. Ok, X, c'est interagir. J'ai pas envie de descendre là-bas. Hein. Y'a vraiment pas une touche pour sprinter? Waouh! Ah ouais, non, mais d'accord, c'est quoi cet effet de caméra? J'ai pas envie de dire de la merde. C'est pas un effet panoptique ou une connerie comme ça? J'y connais rien à ce genre de truc, mais... Ah oui! Ah oui, le mec, il a un problème de glaucome dans les yeux, quoi. Putain, le mec, il peut passer par-dessus le grillage, quoi. Oh, merde. Putain, j'imagine trop la scène dans les films de... Tu sais, les films avec les flics, où il y a littéralement le cambrioleur qui court et qui saute par-dessus, et le flic, il est en mode... Quoi? Ok,
Subway sécurité, d'accord. Je suis un agent de garde du métro. Chinois. Ok, je peux pas. Je peux pas monter les escaliers ou il y a une touche pour ça? Oula. Désolé, j'avais pas compris que sauter sur les escaliers, ça faisait une réaction en chaîne bizarre, prêt à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Je suis désolé. Ah, me dis pas que c'est un jeu où je suis obligé de rester dans mon bureau et... Le son est bizarre en fait. Je sais pas si c'est fort ou c'est... Ça vient d'où ce bruit? Ça vient de chez moi, des voisins ou... Mais je sais pas si le son il est trop fort ou pas assez fort. Tant qu'il n'y a pas de jumpscare et tout ça. Ma carte d'identification. Albert Smith. Officier de sécurité. Ok. Ça fait 2 ans que je fais ce travail. Puisqu'on est en 98 et la carte a été faite en 96. Après, quel mois, ça je sais pas. On est en 98. Donc minimum 1 an. Et expire en 2001. Mauvaise nouvelle pour toi. D'accord. Adressé à l'employé de garde de la nuit. Alors, le sujet. Empêcher les entrées illégales j'allais dire, de clodo, de sans-abri, d'individus sans-abri dans le métro après la nuit. Into métro station précincte. Ok. Y a quoi derrière? Y a rien. Et je suis obligé de lire d'abord une première fois pour moi et après comme ça je peux traduire. J'arrive pas à traduire sur le moment. Alors, cher team, équipe. Ok, en gros, premier paragraphe. Il a été porté à leur attention que le nombre de clochards, putain, de sans-abri qui cherchent refuge la nuit a clairement augmenté et même si. Ben voilà, même si ils ont de l'empathie avec leurs problèmes, faut pas déconner non plus, hein, ils ont pas le droit. Alors, la première règle, c'est de surveiller les entrées du métro, s'assurer que tous les points d'entrée sont sécurisés et surveillés régulièrement à travers la nuit pour empêcher et pour décourager les entrées. Non autorisé. Deuxièmement, immédiatement reporter tout aperçu ou tentative de clochard d'entrer illégalement dans le métro. On a compris. Et troisième, compassionate engagement. Putain, bande de pute. Ouais, en gros, essaye de pas être trop violent, essaye de montrer que tu compatis un peu pour leur cause et essaye de les guider vers un autre endroit où ils pourraient traîner. Voilà, en gros, hein. En gros, je vous fais la traduction, je vous fais de la traduction du truc, en fait. Il y a clairement un discours corporatiste derrière ça. Merci pour votre attention sur ce sujet. L'officier en chef du système de sécurité du métro de New York City. Là, je vois que dalle ici. Je dois encore surveiller les caméras. Ok, pourquoi pas. Ma lampe torche n'a pas besoin d'huile encore pour l'instant. Ah mais moi... Oh! Oh non, hey, j'aime pas ça. Pourquoi j'ai fait un jeu d'horreur moi? Ah non, non, j'aime bien les jeux d'horreur. J'aime pas les jumpscares gratuits. J'ai pas envie de me retourner, hein.
Et en fait, j'ai pas besoin de. Je le vois, hein. J'ai pas besoin de zoomer sur les trucs, hein. Eh non, mais j'ai des frissons. Non, mais juste à regarder des putains de télé VHS des années 98? Des années 90? Oh non! Non! Ah, j'avais pas remarqué cette caméra-là. Non! Tu sais quoi? Ça va me faire permettre de faire une petite pause. Je vais juste check le son. Voilà. Allez. C'est qu'un jeu. Ok, j'ai vérifié. Normalement, ça va. Ça m'a permis de me calmer vite fait. Ouais, enfin. Oh non, putain, je me suis fait peur tout seul. Mais je suis moche. Je suis moche de dos. Non, mais en plus, je me dis que maintenant. J'hallucine ou il y a une ombre là-haut? Pas bouger avec les. Putain, mais je peux. Non, mais j'ai des frissons. Non, mais je te jure, hein, je suis une poule mouillée, moi, en vrai. Hein. Ah, je suis une petite. Je suis une petite salope, hein. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe? Oula, oula, mon jeu. Oula. Pourquoi mon jeu il fait ça? J'ai allumé une télé, tout est parti en couille. Ok. En fait, je sais pas ce que à quoi je dois m'attendre. Là, c'est moi, je reste comme un con. Debout. C'est pas une araignée sur le mur? C'est quoi? Eh non, mais me dis pas que je vais devoir passer par tous ces endroits-là, que c'est juste un. Non, mais attends, là il y a une ombre, on est d'accord? Truc, c'est que je peux. J'appuie sur toutes mes touches et je peux pas bouger la caméra. Donc je sais pas ce que je dois chercher. Faut que j'attende? Oh! Ok. J'ai entendu un bruit. Ça veut dire quoi? Ok, ça veut rien dire. Ah, ça veut dire que c'est la fin. Ça veut dire que c'est la fin du truc et que la caméra elle tourne. Mais. Ah, me dis pas qu'il faut. Attends. Ok. Ah. Il y a un peu de screen tearing aussi. Ça fait pas plaisir. J'ai les mains qui tremblent. Oh, putain, mec, je suis déjà dans un état, il s'est encore rien passé, je suis bloqué au début. Attends, il faut que je fasse quoi exactement maintenant? Parce que moi, le personnage, il a dit juste de vérifier les caméras. Hein. Et vu à la vitesse à laquelle je me déplace, j'ai pas envie de sortir. Hein. Ah, j'avais pas vu cette caméra. Comment ça, je l'avais pas vu? Ok, c'est juste la musique qui m'a fait ce bruit-là. Faut que. Non. Attends, quoi? Faut que j'aille régler le problème, mais t'as fumé, mais je suis pas électricien, moi! Et je suis pas payé assez, hein! Et déjà, je commence à balancer des gens sous le bus, hein! C'est pas ma faute, hein! C'est Eric de la maintenance qui doit faire ça, hein, et il dort. Moi, je surveille les caméras. Hein.
Mais là, il y a une ombre, hein, on est d'accord, c'est quoi ce truc? Après, je vais pas mentir, je connais la fiche du jeu. Il y a un grand mec avec une calvitie assez... Pourquoi je peux pas activer cette caméra? Pourquoi je peux pas activer cette caméra? Mais j'ai pas envie de... Oh là 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 là. Pourquoi je me suis embarqué dans cette histoire? Allez. Ah! On y va? Verizinokin. Ok. Ok. Tout va bien, je suis électricien. Tout va bien, les clochards sont pas dangereux. Ah et non, vraiment. Par contre, la lumière sur les flaques là, pas mal. Hein. C'est de l'Unreal Engine 5, c'est ça? Ah, ok. On va attendre que ça charge. Yes, sir. Ouais, on va attendre. Oula, oula. Oula, oula. Oh. S'il te plaît, je. Oula, oula. Attends, est-ce que mon PSV, il arrive pas à te faire tourner ce truc? Juste au cas où, je vais baisser les performances du jeu. Je pense que je vais faire ça. Ah, ça va quand même mieux. Ok, j'ai tout mis en médium. J'ai pas cherché à comprendre. Clairement, ça bouffe un peu des ressources de mon PC, qui n'est pas si vieux que ça, mais qui n'est pas... C'était pas le top du top, hein, sur le marché. Je suis armé, un hein, fils de putain. Je suis en train d'imaginer le garde de nuit. Oh putain, je vais pas parler à moi. Le garde de nuit qui crie ça dans les couloirs alors qu'il y a juste des clochards qui essaient de dormir avec leurs cleps. Un caca là! C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'est ça qui fait ce bruit? Non mais parle d'une angoisse! Je peux pas appeler ma mère avant? Et tu vas me dire que ça c'est de l'anglais. On est censé être à New York et c'est du coréen. C'est un jeu coréen? Ah j'ai besoin d'une clé! Ah bah oui! Bah oui! Parce que t'as pas un trousseau de clé comme tous les autres putains de gardes de nuit! Évidemment, en plus de t'improviser électricien. Et pourquoi il fait de nuit d'un coup ici? Ah. Ah, Golo. Écoute. Désolé, hein, si je parle en satanique, c'est parce que ça m'aide beaucoup à passer les couloirs. Je supporte très bien les jeux d'horreur, mais vraiment, les jumpscares, j'aime pas. Bah ouf, pétasse! Non mais je vais pas par là, hein! J'ai pas oublié une lampe torche. Genre le mec, il est pas équipé, hein. Hein? Marrant. Je me doutais que ça pouvait être par là. What the fuck is... C'était gratuit, jeu. C'était gratuit. C'était gratuit. J'ai pas aimé. Et je te jure, cette vidéo, elle va être très courte, hein. Et franchement, je suis dans cette situation, il y a ça qui m'est popé sur la gueule. Je prends cette poum... Je prends cette... Oh, un extincteur. Je deviens ultra violent, hein.
Le premier humain que je le vois, je le tue en fait, hein, dans cette situation. Mais je descends pas. Je descends pas du tout. Oh la menace. Litter, c'est. Je sais pas s'il y a un terme en français, mais c'est ceux qui. C'est mes traces de pas, ça? Non. Mais litter, c'est ceux qui jettent les trucs par terre. C'est arrêtez-vous là, genre pour la poubelle. Ah, mec, comment je suis serré, mes bras sont tendus le long de mon corps. Ah, drogué. Et franchement, la seringue, tu peux pas t'en servir pour te défendre? Tu la remplis d'air et le premier qui essaie de te. Voilà, dans le cou. Et t'injectes tout l'air dans son cou. Je vais pas par là. Hein. Information. Quelle est ma situation? Je suis dans la merde. You could be here. Ah, your advertisement could be here. Ok. Je savais bien que j'avais sauté un mot. Mais ça faisait beaucoup plus terrifiant. You could be here. Tu peux être là. Il y a un couloir là. Rejoignez la team. Et je te jure, hein, et les trucs de mecs londoniens qui tabassent des gars comme ça au pif. S'il te plaît, arrête. Je reconnais la machine. Caméra de surveillance. Je passe par là. Ah. Une porte ouverte. Ferme ça, ferme ça. C'est mon safe space. C'est mon endroit sécurisé. Oh putain de merde. Oh, attends, j'ai besoin de. C'est vraiment. Hein, je suis une salope. Hein. Faut bien comprendre ça. Ça, c'est la clé. Putain, le modèle de clé, quoi. On est en 98 ou on est. En 1765. Ah oui, et petite parenthèse, pour ceux qui sont sur PlayStation et qui ont le PlayStation Plus, forcément pour jouer en ligne, Dead Space Remake est gratos, c'est le jeu du mois. Donc ça t'es tué. Clé ajoutée à l'inventaire. Pas envie de sortir. Ça, c'est une radio. Elle va s'allumer quand je vais sortir, c'est ça? Non! 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 Je suis pas à la maison. J'ai pas peur. T'as pas peur? J'ai pas peur. T'as pas peur? Okabunga! Non, laisse cette porte ouverte. Quitte à sauter au plafond si je l'entends se refermer derrière moi parce que je suis con et que j'aurais oublié que j'ai laissé ouverte. Mais si je dois courir, je peux revenir là. Clac, clac, clac. Allez, j'en ai. Je réponds plus de rien. Je fais des bruits d'animaux maintenant. Attention. Rock'n'roll. C'est une salle des serveurs? Il fait nuit. Non mais non mais. Fuck! Je rentre pas là. Hein. J'ai pas de lampe torche. Hein. Pourquoi tu voudrais que je rentre ici? Quelqu'un qui passe l'aspirateur? Je sens que je vais faire des pauses toutes les 5 minutes et je vais faire des montages. Je vais faire semblant que j'ai pas fait une seule pause. Là là. Pourquoi il continue à tourner ce truc?
Il y avait de la lumière là? J'aime pas avancer à cette vitesse. Caca la papa. Personne. C'est ça qui m'inquiète. Non mais ça c'est un bruit, non, je suis pas d'accord. Ah, me dis pas qu'en fait ce fils de pute est derrière ça. Et que je vais le libérer en faisant ça. Ah ça, je connais les plans cul foireux comme ça. Non. Non, ouh. Ta mère la chienne. Ça va mal se passer. On est d'accord. Ça va mal se passer pour ta gueule. Non. Ousver. Non. Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Non. Rien à foutre. Je marche en reculons. Moi, rien à foutre. Rien à foutre. Je mange pas de ce pain-là. Ta mère, ta... Est-ce que j'ai besoin de sortir mon dictionnaire de mauvaises décisions dans les films d'horreur pour savoir que c'est une décision de merde, ça? Fais demi-tour. Bon, bah, allons check, hein. En espérant qu'il m'a pas suivi, ce fils de pute. C'est que je vois que dalle. Là, 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 là. Na, 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 na. Fils de pute. D'accord, on peut encore continuer par là, mais je vois que dalle. Je suis comme vous là. Dis-moi que ce klaxon était dans la vraie vie. Si vous avez rien entendu, que c'était pour moi. Mais ça joue sur mon mental. Non mais moi je démissionne. Non mais non mais non. L'eau. Oh sa mère la chienne. Quelqu'un s'est amusé à écrire quelque chose d'assez très drôle hein, sur le panneau. Est-ce que t'as entendu le cri de l'homme affamé? Ah oh, merci, c'est fermé. Ah oh, Dieu merci, c'est fermé. Non. Non mais mec. À quel moment t'as envie de passer par là? Faut que j'analyse. Ah oui, d'accord. Ah, sa mère. Instinct de survie 0 sur 10, hein, ce gars. Complètement stable hein, comme individu. Complètement. Quoi? Là par contre, ça m'a pas fait peur.
Ok. C'était pas rassurant, ça. C'est complètement stable, hein, comme individu. Ne t'inquiète pas des... N'aie pas peur, hein, des ombres dans les allées ténébreuses, hein. Y a que moi qui te regarde. Ah, mais mec, bon, il y a un moment quand il faut y aller. Mec, je vais regarder le sol. Y a rien. J'avance en reculant. Oh, sa mère! Ok, je suis tombé. Moi, là-bas, je voulais la prendre. Ah, ça, je l'aurais pas vu, ça. Perdu ma famille. Perdu ma maison. J'ai tout perdu. À part ton sens de l'humour, a priori. Elles sont bizarres, les draps en 98, hein. Ils font des bruits bizarres. Prends cette torche. Encore une fois, désolé si j'avance pas rapidement. Je me pisse dessus. Voilà pourquoi. Si tu voulais une réponse claire et concise, je me chie dessus là, littéralement. Je suis pas malade, mais elle est liquide. Hein. Ça m'énerve, c'est des particules qui me font peur. Là! T'éteins pas. T'arrêtes pas maintenant. Help. Non, 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 non. C'est un jeu en ambiance. C'est un jeu en ambiance. Je marche pas vite, donc il n'y a pas quelque homeless. Il n'y a pas un truc qui va me... Hé, hé! C'est le ton. Ah, hopeless. Hopeless. Ah! Sans espoir. Ah! J'ai pas peur. Je te nique, hein. Je te nique, hein. Je te nique! C'est la porte. Tu sais ce qui est drôle? C'est que, un, j'ai l'impression de voir une ombre qui bouge. Sûrement un ventilateur. Mais surtout, c'est qu'on s'enfonce bien dans le fun, là, tu vois. On va vraiment sous terre. Hein. Moi, de mémoire, ouais, tunnel 02, moi, de mémoire, hein, les métros, ça allait pas si profond sous terre. Hein. Je peux pas prendre ça. Mec, c'est pas un clochard. J'aimerais que ce soit un clochard qui se soit introduit ici. Mais on dirait qu'un nouveau clochard s'est introduit. Et mec, ce serait plus simple. Je peux sortir? Oh, attends. Game saved. Ok. Un peu d'air frais, putain de merde. Et j'ai fait tout le tour. Comment ça se fait? Ok. Oh, attendez, laissez-moi profiter un peu. J'avais oublié qu'on pouvait faire des sauts de caribou. Pourquoi on peut sauter d'ailleurs? Terrible perspective. C'est moi ou le camion a bougé?
C'est mon safe space. Ok. Ça, ça dégage. Quelqu'un a pris la feuille. Non. Juste non. Et on en pense quoi de cette ombre là? Qu'est-ce que ce gars fait à cette station à cette heure-là? Mec, c'est vraiment la question que tu te poses là? Moi, la question que je me pose, c'est combien ce fils de pute il mesure? Parce que moi, théoriquement, je touchais pas le plafond avec ma tête, hein. Ah, wow, j'ai essayé de quitter la caméra, ça a fait ça. Bonjour? T'as essayé le minoxidil pour les cheveux? Mec, je me retourne pas. Tu veux qu'on fasse une bataille de regard? Je suis chaud, hein. D'ailleurs, ils sont jaunes, tes yeux, c'est bizarre, ça aussi. Et maintenant que j'y pense, c'est quoi les sacs plastiques par terre? Ils étaient déjà là, la première fois? Ou alors c'est toi qui as chié dans des sacs? Je veux dire, ok, t'es sans abri, mais tu pouvais pas trouver des toilettes publiques? Non, parce que c'est un peu dégueulasse, en fait. Même moi, j'aurais pas fait ça. Allez, un peu de musique. Ah putain, mais même là, ça fait bugger mon... Bon bah ça a été réparé. Là ça devient plus flippant, il fallait disparaître depuis un moment. Là ça faut pas que je regarde parce que je sens que ça va... Ça, j'ai pas vu. J'ai pas trouvé cette caméra. Ça, je sais où c'est. Ça, je sais où c'est. Ça, je sais pas où c'est. Ça, je sais où c'est. Avec le couloir et tout ça. Ça, je sais pas. Ça, on s'en rappelle, c'est là où j'ai eu la clé. Ça, j'ai pas envie de savoir. Ça non plus. Tu veux que je vienne te chercher, c'est ça? Le petit Billy a perdu sa maman? Ok, j'arrive. Putain de merde. Mais en fait, une fois que je vois le gars, c'est pas que j'ai plus peur, mais j'aime pas les jumpscares. C'est vraiment juste ça. C'est moi ou il y a un truc qui bouge là? Avec la lumière. Ah d'accord, il faut que j'aille par là. Putain, c'est la flèche. D'accord. Mais c'est vraiment les jumpscares, je n'aime pas. J'aime bien le frisson, mais j'aime pas l'attente. Je préfère les jeux ambiance. Non, mais ça, par contre, c'est un plan cul foireux. Hein. T'as pas de torche, t'as pas de flingue. A priori, j'en ai un. Hein. Et t'as un mec qui fait la taille d'un bâtiment, qui regarde avec un regard globuleux. Ok. Et franchement, ils t'ont menti, hein, sur ton... quand ils ont voulu t'embarquer. Oula. J'aime bien, c'est quand je regarde pas cet endroit, ça va, mais quand je regarde par là, y a des endroits où c'est juste ça... Mon PC, j'ai l'impression qu'il est... Ça fonctionne pas, en fait. Ou alors, peut-être que ça chargeait. Mais franchement, sur le boulot, la description du boulot, ils t'ont menti, hein. C'est pas juste surveiller, hein. C'est même pour 5000 euros par mois, je fais pas cette merde, hein. Ok, j'ai trouvé la caméra. Oula.
Oula! Allô? Palapapapa! C'est le four? C'est un four? J'ai pas peur. T'as pas peur, j'ai pas peur. Ok. C'est du sang. C'est du sang ou t'as une infection urinaire? Violente, l'infection urinaire. Aubervis, j'ai tourné la tête hein, vers la droite. Ah oui, à quoi il me servait le zoom? C'est un crime horrible. Sans déconner. Attends, vraiment, c'est ça qui t'inquiète, ça? Attends, on va refermer ça. Oh, sa mère! Le mec aurait pu être là. Tu sais, pas trop pour que je le vois, mais littéralement ici à me regarder, j'aurais même pas tilté. Et d'ailleurs, j'y pense. je touche le mur avec le plafond avec ma tête. Mais avec mes sauts, je suis capable de lui mettre un coup de boule maintenant. En vrai, c'est pas inquiétant. On va retrouver le reste du corps. Ouais, c'est pas cool. Ton smoothie, il est prêt depuis longtemps, mec. Alors, il est marqué quoi dessus? Ok. Jus de fruits spécial commandé par le vautour. Mélange d'un œil humain et d'un cerveau. Ah, parce que je les connais, les jumpscares, quand je me retourne. Attends, c'est là qu'il faut que je commence à penser à prendre une arme. Genre, prendre une lampe torche, par exemple, pour se balader. Voilà. Prendre cette planche en bois. C'est pas beaucoup, mais... Voilà. Attention, les jumpscares. C'est juste un jumpscare. Ça va, toi? Ok, fermé. Ok, maintenant, il veut que je descende. Ok. Ok, on a trouvé une autre caméra. Ah non. C'est un bruit de métro. Oh, les démons intérieurs. Ouais, moi aussi. J'en ai tellement, moi. Tu devrais avoir peur. Oh, moi, ils sont très méchants. Oh, sa mère. Eh, les démons intérieurs, faut se réveiller, là. Faut me protéger. Non, par contre, quand je lis, j'essaie de traduire, me faites pas des screamers ou des trucs comme ça, hein, s'il vous plaît. Je crie ma solitude parmi les rues bondées, mais personne ne m'entend. Ah, crie pas maintenant, s'il te plaît. Qui? Je peux passer par là? On dirait que je peux m'enfoncer, donc on va aller en demi-tour. Non. Oh putain, je viens de recevoir un SMS.
Oh, ça va être parfait, ça va me faire une petite pause. Je reviens tout de suite. Hop. Ok, allez. Ça m'a fait du bien, putain. J'avais soif et il fallait que j'éponge le en dessous de mes bras. Putain, j'avais pas remarqué, mais j'étais en train de suer comme un porc. Alors. Maintenant que la tension est retombée. Merde, c'était par où que je dois aller? C'est par là, hein? J'ai plus peur, mec, hein. La tension, elle est retombée, hein. J'aime toujours pas avoir peur pour avoir peur, mais... Ok. Ah, ça aurait été marrant que la clé, là, que j'ai, ce soit un passe-partout. Papalapa! J'ai pas peur. Oh non! Oh non! Le réseau ferroviaire... ferroviaire, attends. Comment on appelle ça? Un réseau souterrain... Ouais, on va dire réseau souterrain. Et en panne, demain, des millions de... travailleurs... ferme cette porte. Travailleurs new-yorkais vont pas pouvoir prendre le métro. C'est à moi de gérer ça. Il a foutu en l'air tous les systèmes. Bah, déjà, j'aimerais bien savoir... comment ça se fait... J'ai vu les photos sur le mur, hein. Vous paniquez pas. Mais comment ça se fait qu'il a eu accès à cette pièce? Après, tu me diras, le mec, hein, paranormal, tout ça, tout ça. Halloween. Y a pas besoin de respecter les... les règles. Je fume pas, mais je pense que là, ce serait... ce serait bien ma... ma chance, hein, pour commencer. Putain. Plaster, plaster for sealing a wall for internal work. Ok. Ok, c'est des photos de la vraie vie, sûrement pour le mettre. Je comprends pas l'intérêt. Cette pièce, elle est glauque, hein. Est-ce qu'on peut monter? Non. Enfin, on peut monter, mais on peut pas... T'as compris. Y'a de l'eau qui coule depuis les toilettes. Non mais mec, non mais s'il te plaît quoi. Vas-y, vas-y, le pantalon baissé pendant que tu y es. Ah, pour rendre plus simple le projet de meurtre. Je sais pas où je vais avec cette phrase. J'ai pas peur. T'as pas peur, j'ai pas peur. Et toi, des femmes aussi, hein. Sauf qu'il n'y aura pas une femme dedans. Ha! 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 Eh ouais, tu peux pas me tromper, hein. J'avais sinon, on peut encore continuer par là. Non, c'est un mur. Ok, la valve. J'ai compris. J'ai pas peur. Whisky égale fucker égale thriller égale Coty égale je sais pas. Non mais attends, par contre, ce qui est marqué là, désolé, mais en reparlant de Dead Space Remake et tout ça, c'est le langage du monolithe, hein, cette merde, hein. Ça pourrait, franchement, tu serais à bord de l'Ishimura, tu verrais que du feu, hein. Je préfère être à bord de l'Ishimura, là, tout de suite. Je te crois pas. C'est pour me faire peur. Par contre, tu sais ce qui a réussi à vraiment me faire peur, là? C'est que le fait d'avoir fermé la porte... J'ai pas envie de la rouvrir. Ok, toilette des garçons, maintenant. Et là, c'est pas un homme qu'on va trouver dedans.
Toc toc. Ha ha ha. J'ai de nouveau les frissons de merde. Il va se passer quelque chose. Je nettoie pas ça. Hein. Je vois le balai, je nettoie pas ça. Je peux pas l'utiliser comme arme? Bien sûr que non. J'ai pas eu peur! C'était un zoom de merde. Je commence à comprendre le jeu. J'ai pas eu peur. Toi par contre, tu t'es chié dessus, et je l'ai entendu là. T'es sérieux là? Attends, qu'est-ce qui m'a bloqué? Ah, c'est des tuyaux. Bah tiens, personnage principal, si tu veux aller pisser, c'est maintenant. Parce que je sens qu'on va le faire plus tard, mais sur nous-mêmes. Alors, d'abord, je lis ce qu'il y a à droite. Accord de transfert d'un penthouse à Manhattan. Alors, les termes. Les deux parties reconnaissent que le penthouse a été vendu dans sa situation actuelle et aucune garantie ne sera accordée. La date est au 7 août 98. D'accord, bah donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Puisque la carte, ça fait 2 ans qu'on fait ce boulot. Putain, mais je m'attarde sur des détails de merde. Vendeur. Le vautour. Et l'acheteur, Robert Cooper. Adresse Empire Penthouse, Manhattan Price. Oh, c'était que c'était un riche en plus le vautour. Par contre, il y a une faute hein, dans la traduction de droite, parce que là, il marquait que l'acheteur, c'était le vautour. Je déteste faire marche arrière dans ces putains de jeux d'horreur. Non. Le tueur est en train de revenir sur la scène de crime, j'ai besoin de me cacher ici. Mec, je suis à 2 doigts de regarder mon pantalon. Hein. Un pour la trace de pisse qu'il doit. Et surtout pour pas regarder ça. Ouais, tu vois ce truc-là. T'en retombe pas. Je vais fermer les yeux! Non, je regarde plus. Je m'en fous, je ne regarde plus ce jeu. Je vais avancer, je vais ouvrir la porte. Je ferme les yeux. J'avance et je ferme les yeux. Je vais avancer. S'il y a un truc, c'est pour vous. C'est pas pour moi. Est-ce que je peux avancer? Je sais pas. Je vais tourner un peu. Ah, bah y'a rien. Ok, j'ai. Ok. Ça sent le jumpscare. Ah, pourquoi j'ai fermé cette putain de porte? Après, il aura pu la fermer après moi. Là, le jeu, il essaie de me faire croire que je suis en sécurité parce qu'il n'y a plus de bruit ambiant. Et il va me sauter dessus là, maintenant. Par contre, attends, je vais où là maintenant?
Ok. Ouais, pourquoi on rigole? Je sais qu'il faut passer ma carte là. Ah, il m'a mis de bonne humeur là. Ah, j'aime bien quand on rigole. Par contre, s'il pouvait avancer aussi vite que ça, putain de merde. C'est incroyable comment quelqu'un qui rigole, ça fait plus peur du tout. J'avance, mais sans crainte. Est-ce que d'ailleurs... Attends, soyons réalistes. Est-ce que d'ailleurs, c'était le tueur? Hein, le mec, il m'a pas... Attends! Oui, c'est le tueur! Oui, c'est le tueur! Ça, merde! Est-ce qu'il est trop tard pour cette petite clope? Non, mais vraiment. Là-bas, c'est mort. Il faut que je descende par là. Non? Attends, me dis pas qu'il y avait vraiment une combinaison. Ça! Ah ouais! Attends, Wrong. Ah oui! Attends, est-ce que ce serait pas sur les murs? 7. J'ai l'impression que... D7. J'ai l'impression que j'ai un vrai truc, là. Ah non, D7. Ok. A, B3. A7. Ah, si, d'accord. A7, B3. Donc, 7, 3. 8. 7. 7, 3... Putain, j'ai déjà oublié. 7, 3, 8, 7. Ok. 7, 3, 8, 7. Alors. Je crois que je vais le faire à la souris, ça. 7, 3, 8, 7. Ok. Je suis un putain de génie. Cerveau aussi gros que la planète. Pourquoi je joue pas aussi au clavier? C'est parce que je préfère la manette, même si c'est un peu plus lent. Et surtout, c'est que mon setup actuellement avec mon bras de micro fait que je peux pas être trop proche de mon écran. Sinon, en fait, j'ai la tête derrière le micro, tout simplement. Encore plus profond, hein? Le mec, il comprend pas tous les signes qui lui disent de dégager de là, hein. Ok. Tant qu'il y a de la lumière, j'ai pas peur. En vrai, j'ai plus peur. D'accord. Là-bas, ce sera la suite. Le confort redesigné. Paul que j'évoque. Je suis étonné que c'était pas poltronné et sofa, hein, avec toutes les pubs. Ah! Quoi? Ah, mais parfois la caméra elle fait un truc. What? Parce que pendant un moment j'ai cru que j'avais tapé dans des caisses, mais le truc s'est orienté tout seul.
Faut que j'oriente la lumière. Ok. Le mec a perdu toute sa famille, tout ça. On a tous des problèmes, mec. Hein. Oh, putain! Oh, amical. Oh, comment ça va, je suis content. Oh, je peux t'embrasser, mec? Non, moi. Mais t'as compris. Ça va? T'es qui? Albert. Vous... Je fais chez personne, je veux juste un abri pour me... s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Ok. Ne t'inquiète pas, mon ami, je vais pas te blesser. Je veux juste savoir si t'as vu un grand mec qui s'appelle Vautour par ici. J'ai été ici depuis le début. Et je suis tout seul, en fait. Je sais pas de qui tu parles. Tu nous prendras jamais en vie. T'es sûr que tu connais pas un mec qui s'appelle Vautour? Tu peux venir avec moi me tenir la main? Enfin, non, ça fait combien de temps que t'as pas pris de douche? Bon, en vrai, je suis un gamer, donc je prends pas de douche aussi souvent. Mais donc ça va, vas-y, viens avec moi. Ah, oh, je me sens rassuré! Oh, y a un mec plus effrayé que moi ici. Oh là là, et les vidéos, ouais, je gagne du temps pour pas avancer. Mais les vidéos de Alpha Male et tout ça, il dirait que c'est un mec soumis, tu vois, c'est un bêta male. Regarde comment il baisse sa tête là. Soumis, va. Y a que le Vautour et moi, on est des alpha male. Non, lui c'est un alpha. Moi je suis un sigma. Oh là là. Ok. Pas peur, hein. J'avais essayé, nous, il est là-bas. Eh, j'ai un clochard avec moi. On est deux contre un. Et je fais des sauts de fils de pute. Eh, je te dépasse même. Je peux te bipler, mec, hein. Fais gaffe, hein. Oh. Attention les oreilles. Ça va partir. Attention le screamer, là ça va sûrement popper à l'écran. Il veut qu'on regarde l'intérieur. On bouge pas. Moi j'attends que ça passe. Je l'entends humer, ce fils de pute. Oh non, pourquoi je... Safety. Mon cul, ça a pas l'air safe du tout, c'était un... Ah, ça va, c'est un instant de chargement. Ah. Oh, yes. D'accord, c'est des phases. D'accord, mais j'ai compris. Faut que j'appelle les flics maintenant avant que je devienne son prochain repas. Sérieusement? Tu penses ça que maintenant? Sérieusement? Moi j'aurais appelé les flics à la sécurité dès que je l'aurais vu sur les caméras ici. Tout en partant chez moi, tu vois. Ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on peut avoir une arme. Est-ce que c'était une démo, ce truc, en fait? Parce que c'était un jeu full prix, hein. Enfin, avec les soldes... Ah, de putain de merde! T'as un chapeau? Attends. Ça me rassurerait si je voyais ce fils de pute sur les caméras, là, tout de suite. Ah! Ouais, ok, d'accord.
À moins qu'il y ait deux fils de pute. T'es encore là? Je deviens paranoïa. Succès stream. Succès Steam. Je deviens paranoïaque. Putain, j'en perds mon français. Mais succès Steam, rencontrer le... J'ai déjà oublié ce que le succès m'a dit, quoi. L'homme mystérieux, je crois. Je crois que les gens, ils ont pas osé, en fait, aller le rencontrer. Ou alors c'était juste un succès pour dire « Ok, t'as atteint ce point-là. » Pour savoir qui ont vraiment joué au jeu. Wait. Ah oui, faut appeler la police d'abord. Putain. Ah. Le téléphone est mort. Ah, 98. Les smartphones n'existaient pas encore. Mais les téléphones portables, oui. Oui, non, mais je dis pas de conneries, oui. Enfin. Info à vérifier. J'ai l'impression que ce gars va me transformer en... un cauchemar. Il marquait quoi sur son panneau ? Ok. J'ai faim, je peux te manger ? Non. Non, j'ai pas de blague, non. Si tu veux, je fais des papillonnettes après. Papillonnettes, des papiers, tu sais, les pattes en forme de... nœud papillon. Avec un steak. Mais sinon... T'es presque... J'allais dire quelque chose d'un peu glauque. Je sais pas si ce qui est le plus glauque, c'est lui ou moi, mais il est presque mignon comme ça. Allez, fais-moi peur maintenant. Fais-moi ton greu. Putain de merde. Bon, j'arrive. Non mais ça marche pas. Ça marche pas, j'ai compris que c'était parfois dans le jeu juste pour me... Tu vois, que je reste sur mes gardes. Le coup du jeu toc, ça va. Mais tu vois, tu peux pas appeler la police. Ouais, d'accord, c'est bien ce que je pensais, ce serait par là. Ok. Mais qu'est-ce qui t'empêche, avec tes sauts surhumains, de te barrer de là? Ah, parce que moi, je préfère être à la porte, me faire mettre à la porte par mon boss, qu'est d'être mort, en fait. Pff. J'ai même pas eu peur, j'étais plus surpris qu'autre chose, en fait. Porte de sécurité contre le feu. Porte anti-incendiaire, en fait, tout simplement. Mais attends, vu toutes les caméras qu'on a vues, je pense que là, théoriquement, j'ai cru que c'était deux personnes qui me regardaient et que leurs yeux étaient rouges. Putain, c'était le métro, mais qu'est-ce que je suis devenu paranoïaque, là? Mais d'abord là, puis l'arrière, et après, ça t'a fait faire un demi-tour pour venir là. Et y a que là. Donc j'imagine que là, ça fait beaucoup de là. C'est la dernière étape du jeu. J'imagine. Oula. Oula, d'accord. Hein. Ok. Ouh, peut-être que c'est le début, putain de merde. Enfin, il y a les mécaniques de saut. Et je peux pousser des objets.
Oh, d'accord, d'accord. Oula, d'accord. D'accord. Moi, j'essaie de les pousser comme un débile. Est-ce que lui serait capable de sauter comme ça? Après, c'est un surhumain, donc j'imagine qu'il va se téléporter. Ah, caca, pipi, caca! Oh, merde! C'est... J'espérais pas que ça s'ouvre en fait. Je clique pour. Voilà quoi. Ah merde! Qu'à preuve du contraire, je peux pas m'accroupir. Putain. C'est sombre, hein. Mais en fait, avec vraiment, je suis en train de me dire que je cours absolument aucun danger. Parce que la vitesse où j'avance, à part si le jeu d'un coup me donne un boost de vitesse... Sa mère la chienne! Quoi, tu veux quoi? 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 Tu... On partage? Et c'est là qu'on voit ma personnalité. C'est dès que je vois le danger, là je deviens... Je monte au front en fait. C'est... J'ai tendance à me battre moi. Mais tant que je le vois pas... Je flippe... Comme pas possible. Mais entre la réponse entre... Se battre ou fuir... C'est me battre. Après théoriquement t'as d'autres réponses. T'as se battre, fuir... être paralysé. Ah, attends, ça me merde, ça. Être paralysé. S'évanouir. Et je crois que t'en as une autre. Je crois que t'as 5 réactions. Attends, t'as se battre, fuir, être paralysé, s'évanouir et. Et je crois que c'est se soumettre, un truc comme ça. Position de soumission. C'est marrant comment j'ai plus peur là d'un coup. Par contre, désolé pour les épileptiques. Allez, vas-y, saute-moi au visage, fais-moi peur, fais-moi ton gros. J'en ai plus rien à foutre. J'arrive, je te mets des coups de boule, mec. Regarde! Coup de boule! On va voir c'est qui le plus grand. coup de boule. Coup de boule. Pourquoi je pouvais ouvrir ça? À part me retourner et me faire prendre un screamer dans la gueule. Putain, c'est vrai que c'est carré pour prendre les objets. Faut pas que... Désolé, là il faut pas que je m'arrête de parler sinon j'ai commencé vraiment à avoir peur. Ah, merde! Je suis mort? Non, il m'a ramené à la surface. Gentil en fait. Peut-être que c'est un nouvel employé, il savait pas que je travaillais ici également. Il a cru que j'étais un clochard. En fait, c'est un malentendu. Ce jeu est un malentendu. Oh. Comment ça, ça se fait? Comment ça se fait que ça marche? Enfin, mais le métro new-yorkais, c'est un truc, hein. Où est-ce que je suis? Ouais. Ce quartier me semble familier, mais... C'est comme ça qu'il appelle ses femelles.
Non. Donne-moi ça. Allume, 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 allume. Ça monte là? Mec, t'as 100 fois l'occasion de passer, d'enjamber un mur et de te barrer dans un magasin. Si le métro, il marche. Évidemment qu'il y a des magasins. C'est quoi? C'est... Bonjour. C'est quoi ça? T'es russe? T'es pas censé être en Ukraine toi? Bizarre. Et en fait t'es un JPEG? Ah non. Non. Ok. Je te fais confiance. Je te surveille. Je te fais confiance. Genre comme ça. On t'a déjà dit que t'avais un œil plus gros que l'autre? Une Eurodame, j'imagine. Ok. C'était un plaisir de te rencontrer. Fait trop noir, je vois que dalle. Donc on va suivre ce que le jeu veut. Pourquoi je suis dans un appartement? Mais je préfère être un sans-abri que de vivre ici en fait. Hein. Et pas dans le métro de New York. Hein. Ah. Désolé, hein. Luminosité est tellement basse que... C'est fait exprès, mais je vois que dalle. Ok. Est-ce que je marche pas sur du... Ah bah yes! Eh, c'est une scène de crime, hein, faut pas passer. Ok, il y a un meurtre. Je t'avoue que je sais pas en fait. D'accord, peut-être que j'ai trigger le truc. Ah, peut-être que je peux descendre maintenant. Non, non, on peut commenter, d'accord. T'es encore là, mec? Ah, attends, me dis pas que... Ah, chaque bouton! Ah ouais! Non? T'as dirais pas de m'aider, de me donner un coup de main? Ok. Ah. 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 Jumpscare. Ghost Apartment. Rencontrer... C'est un fantôme ça? Ok, on s'est fait un petit check et... Ok. Je pensais que c'était le vautour, mais... C'est bizarre ton complexe, mec. En fait, le fait qu'il n'y ait pas de luminosité...
Je sais pas où je vais en fait. Je sais pas où est-ce que je peux aller. Ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, il n'y a eu qu'une fois la mécanique de saut. Et d'attraper des objets. On sent que les gars, ils étaient ambitieux. Attends, là, il y a un truc, là. Non, c'est obligé. Système des égouts. Parce que, ok, ils m'ont montré une scène de crime, là. Mais tu veux que je joue à Colombo ou... Faut que je fasse quoi? Oh, on peut encore monter, putain! Ah, d'accord! Putain, je les avais pas vus. Sa mère? On court pas dans les escaliers, hein. Ouais, là, je suis au dernier étage. Ok. Ouais, j'avoue que cette partie, elle me fait un peu moins flipper parce que j'ai commencé à pas savoir comment il fallait monter. Ah, New York City. Mais surtout... Ah, c'est le penthouse? Attends, ça, c'est un penthouse. Attends, je suis en train de relier les deux points. C'est pas un penthouse, ça, c'est une décharge. Mais le cliché des appartements où il faut monter pour les jeux d'horreur, je connais. Alors. Notice. Pour un non-paiement. Éviction. En tout cas, il se fait jarter de son appartement parce qu'il a pas payé ses loyers. 1972. Fuck! C'est le vautour? Alors. Pour cause des loyers impayés. Pour un total de 1550 $ en 1972, c'est énorme. Cette lettre sert de notice officielle. Comme quoi, tu dois bouger ton cul de l'appartement parce que tu dégages. Tu dois dégager... Attends, quoi ? Attends, la date. La date, c'est le 8-4-72. Mais ça a été écrit... Bon, la date, c'est pas important. Mais c'est surtout parce que ça a été écrit le 25 août. S'il vous plaît, bougez tout votre bordel et toutes vos possessions et quittez cette propriété dans des bonnes conditions et sans dégrader le bien à cette date. Sincèrement, le mec qui te jarte... Ok, le jeu a été sauvegardé. C'est fermé derrière moi. Quoi? Je pense que c'est la maison dans laquelle je vivais quand j'étais petit. Où on vivait quand j'étais petit. Donc j'imagine ses parents ou ses frères et sœurs et tout ça. Ou juste lui s'il est enfant unique. Ok. C'est des chiottes. Franchement, je vois que dalle. Je vois que dalle. Et j'ose pas trop rentrer et trop fouiller. Voilà. Caca, caca! Ok, lumière là-bas. On va ouvrir ça.
La 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 la. C'était ma chambre? Pourquoi je peux fouiller ça, putain? S'il y a rien dedans. Ok. C'est vraiment quand il se passe rien que j'ai peur pour rien, en fait. C'est quoi cet appartement de merde? Tape à la papa. Allez, 1, 2, 3. Allez, fais-moi peur. J'hallucine ou c'est un enfant? Ou c'est moi? Jumpscare? J'ai perdu ma maison. J'ai perdu ma voiture. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à la trouver? Je dois absolument trouver... D'accord, c'est un jouet. Je dois absolument trouver son jouet. Mais t'es sérieux, mec? D'accord, j'ai compris. Je suis dans un trip mélomaniaque. Oh putain de merde. J'ai pas envie de trouver son jouet, hein. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Donc voilà pourquoi je devais ouvrir les tiroirs. Oh, ok. Tala. J'ai pas vraiment fouillé cette pièce. Là, y'a rien là. Bon, ça doit pas être de la science infuse. Voilà, c'est... Ouais, j'arrive. Est-ce que t'es pas étonné à quel point on se ressemble? La calvitie à part, tu veux dire? Parce que je sais pas trop. J'ai pas envie de me retourner. Qu'est-ce que je dois faire? Ou plutôt, dans mon schéma de pensée, qu'est-ce que je dois déclencher maintenant? Parce que je mets pas la main dans la cuvette, hein. Ok, on avance. On retourne voir le gosse. Ah, il faut vraiment que je trouve ton jouet, en fait. Ah ouais, parce que vraiment, le truc dans cette situation de merde, c'est vraiment ton jouet. Hein? Parce que ce serait pas la première fois qu'il y a un jouet dans un four. T'as qu'à jouer à un Silent Hill et normalement, tu devrais trouver ton bonheur. Je crois que la luminosité ne m'aide pas. Ou alors c'est juste que je suis con. Ça aussi. Oh. Non. Non. Est-ce que j'aurais loupé une porte? Ouais, non. Oh!
Oh, d'accord, d'accord. Ah bah, putain de merde. Médicament. Spray. Ah, il faut être pile conteneur. De l'oméprazole. C'est un antidépresseur? Ah, il faut être précis hein, sur les objets. Putain de merde. C'est quoi ça? De l'amoxicilline. Antibiotique pour infection. Ok. Ok, encore la même chose. Ok. Ok, d'accord. Clairement, j'ai mal fouillé. Ouais, attends, il y a un truc que je dois revérifier. Ça. Non, il n'y a pas de tiroir. Ça, par contre... Ah, bah voilà! C'est pas comme si... Non, mais me dis pas que j'avais pas ouvert le truc. J'ai tout essayé. They will never take us alive. Ok, ça, c'est des... Pas peur! C'est du bruit, t'as cassé du verre, tu ramasses, tu prends la balayette et... Non, je... Ah, wow, 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 mec! Ah, c'est la poignée. J'ai eu peur. C'était la poignée. Allez, fais-moi un jumpscare. Fais-moi ton re. Je peux le reprendre? Ok. Ok. Je peux sauter, moi. Je peux sauter. Ok. La dernière fois que c'était arrivé, ce genre de plan comme ça, sur l'eau, avec la lune, c'était Bloodborne. De très mauvaises choses se sont passées ensuite, sans vouloir spoiler. Donc, Mais en fait, t'es mal compris, mec. C'était des... En fait, ce que tu mangeais, c'était les restes d'un McDo. Et t'étais juste tombé sur le cadavre comme moi, t'as cru que c'était moi le tueur. Parce qu'au final, le message de ce jeu, hein, c'est que c'est l'homme le véritable monstre. Il déteste cette ville comme moi. Attends, t'es pas en train de... T'es pas en train de t'identifier à lui, là, si? Peut-être qu'il veut un câlin. Oula, les démons intérieurs, tout ça. J'y crois pas. J'en étais sûr. Ouais, je veux dire, j'allais continuer comme quoi c'était moi le tueur, j'allais faire la blague. C'était moi le tueur et c'est lui qui a essayé de se planquer. C'était pas ma faute. Je l'ai pas tué. D'accord, d'accord. En gris, c'est moi. Et en rouge, c'est lui. Tu es un tueur. Tu es un pêcheur. Tu es un tueur. Tu es un pêcheur. Tu es un tueur. Tu es un pêcheur. Je préfère la chasse. Ah, d'accord. C'est tout le temps les mêmes messages. J'ai pas peur de mes péchés, mes démons intérieurs. Inner démon. You are a killer. Ouais. Évitons d'écrire à l'envers. Je suis pas assez intelligent pour... God is dead.
Putain, tu peux plus faire cette phrase de God is dead sans que j'ai le truc de l'anime là. Des animés où il y a le personnage féminin qui fait commence à tourner la tête avec un... Sainte Mère Marie-Joseph. Est-ce que c'est pour moi ça? Oh! Ce fils de pute essaie de me faire tomber pour son meurtre. Pour les meurtres, je vais devoir le tuer. Par contre, le mec, c'était un biker. Hein. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle je ne marche jamais sur les grillages qui donnent sur les métros. Je passe toujours à côté, parce qu'on sait jamais. Voilà. Par contre. Ok. Oh là là, ça devient un FPS. Oh là là. Oh, ça devient Doom. Allez, viens. Oh oui. Allez, bah alors, on rigole plus, là. Bah alors, t'es tout seul. Attends, mais je croyais que je te tenais compagnie, fils de pute. Allez. Petit. Petit. Quatre, cinq. Je sais pas combien j'ai de balles. God is dead. Oui, je suis en train de le buter avec un boomstick. Allez, petit. Je pensais qu'on rigolait. Attends. Je vais quand même continuer à fouiller parce que là, je me sens bien là. Là, on est en confiance. Ok. Je peux pas appuyer et ouvrir les portes quand j'ai le fusil. Peut-être que je peux. Voilà. Ah bah fais-moi le malin là, je t'entends plus humer, hein, fils de pute. Fuck! Ça marche! Allez! No fear! Only death! Alors. Ça prend une tournure très Silent Hill, hein. C'est très Silent Hill-esque cette merde. Ah là, c'est de la chasse, la traque aux pigeons. Hein. Ça veut rien dire, mais dans le contexte de ce jeu, ça veut tout dire. Petit. Ah non, tu me feras pas tourner l'attention sur ce qui est marqué sur le mur. Putain. Bah quoi, on boite, fils de pute. Moi, je perds mon français, toi, tu perds tes jambes. Ok, il y a quand même toujours ce petit moment où quand je le vois apparaître... Il y a quoi là-bas? Inner démon. Là, d'un coup, quand les démons intérieurs, ils ont un fusil à pompe, là, ça fait moins le malin. Ah, les ballons de clown. Mais oui, mais vas-y. Mais oui. Est-ce que je peux les péter? Ah non, c'est des dessins. Allez. Jamais 200 points, mec! Wouh! Hé, je reconnais ce couloir! Wouah, ça sent le jumpscare! Sauf que j'ai un autre jumpscare! Ça s'appelle un boomstick! Allez! Je suis mort? You are dead, kill the vulture. Mais j'ai eu un succès. Hein, quoi? Oh merde, ah, parce qu'en plus il peut tuer, d'accord. Il faut vraiment que je vise correctement la tête alors. Ok. Par contre il m'a... Oula. Il m'a one shot, hein.
Ah, par contre, là, ça rigolait pas. Best way to shoot vultures. Ok. Vas-y, vas-y. En vrai, je crois que je sais pourquoi je suis mort facilement. C'est parce qu'avec la souris, j'imagine que c'est plus facile à viser. Parce que là, il y a quand même un temps d'adaptation. Attends, peut-être que je peux viser. Tu vois, dès que je lève un peu quand même, c'est un peu horrible. Allez. Je sais pas s'il y a une notion de dégâts dans la tête et dans le torse. Parce que sinon, je vise que le torse. Hein. Par contre, ce qui est bullshit, c'est que j'ai eu un trophée pour avoir tué le vautour. Alors qu'il était marqué que vous êtes mort. Ça, pour l'instant, on sait déjà, on l'a déjà fait. Le problème, c'est quand il avait eu besoin d'un peu plus de shot dans la gueule, tout à l'heure. Ah oui, putain, j'avais oublié qu'il popait là aussi. Ok. Je regardais si je pouvais spammer encore plus vite, mais... On va retenter sur la gauche. Il faut que je recule instant dès qu'il pop. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, je crois que je l'ai touché une dernière fois, sauf qu'il m'a tué en même temps. T'as, par contre, son rasage est impeccable. Un petit dernier jumpscare pour la route? Ah bah voilà, le petit sourire. Dur. Je vous laisse faire pause et traduire. À part si je peux passer. Je crois que je peux passer, donc je peux traduire. En gros... Après avoir tué Albert, après avoir tué le vautour, a appelé la police. La police n'ont pas cru, et avec toutes les preuves, ils ont cru que c'était lui le psychopathe. Il s'est fait enfermer dans une institut pour. Un asile, en gros. Pour le reste de sa vie. Je crois que je le vois sur la photo, là, du milieu. Tout derrière. Allez, un petit dernier jumpscare. Ah oui! Je pensais que c'était un des casques, mais non, tout derrière à droite. Mais donc, c'est moi qui ai tué les mecs ou c'est lui? Je pense que c'est lui, hein, c'est juste qu'il m'a mis dans un délire paranoïaque. Sans abri, clochard, clodo, hobo, tout ce que tu veux. Dark Phobia Games. Bon, putain de merde, je me suis un peu chié dessus au début. Putain de merde. C'était efficace, mais une fois que j'ai commencé à me sentir à l'aise, notamment quand j'avais un boomstick dans les mains, ça allait. Mais c'est surtout le fait... Oh, c'est pas... Ok, je ferme ma gueule. 3 ans plus tard. Et j'ai enfin droit à ma clope. Ok. Ok, un individu suspect dans ta à proximité de toi. Dis-lui de dégager. Troisième anniversaire du meurtre brutal dans le métro continue de secouer New York. Headline du 10 septembre 2001.
Attends, quoi? Ta headline, le 10 septembre 2001. Ah non, bah oui, mais non, mais non, mais non, les tours jumelles, c'était le 11 septembre. 11 septembre. On est un jour... Oh bah putain, un jour d'une grosse catastrophe. Ok. Attends, on le voit là, là? Non. D'ailleurs, maintenant que j'y pense... Mais oui, on les voit! Ils ont osé mettre les deux tours jumelles. Oh, les fils de pute! Oh, ça, c'est malin, ça. Ça, c'est bien, ça. Ils auraient pu faire en sorte qu'il y ait un paysage où tu ne vois pas les tours et les bâtiments. Mais ils l'ont fait. Si j'étais vous, demain, j'irais pas travailler. D'ailleurs, la mécanique de zoom, j'ai jamais utilisée. À part une fois, au tout début. J'ai un boomstick. J'avais essayé, nous, c'était... Vautour. Peut-être que c'est Albert qui a tué, mais c'est le vautour qui te possède. C'est un truc que j'aime bien avec ce genre de jeu. Des histoires courtes comme ça, c'est que t'as pas toutes les réponses. Donc, c'est libre à... Ça te donne accès à une libre interprétation de l'histoire. Ha! Si ça se finit sur ça, c'est magistral. Et la jumpscare. Voilà! À suivre. Oh là là. Ouh. Et on pouvait charger une partie. Attends, il y a combien de personnes qui ont fait le jeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Eh bah putain. Dark Phobia Game, j'imagine que c'est 7 personnes plutôt. Eh bah putain, franchement c'était cool. Je voulais faire un petit truc pour Halloween, c'est la première fois que je fais un truc pour Halloween. Donc c'est cool. Et je voulais un jeu qui soit pas trop long non plus. Je voulais pas un truc qui dure 10 heures. Je pensais à Outlast par exemple. Sauf que Outlast, j'ai déjà vu un playthrough dessus. Et ça dure plus longtemps que ce jeu. Là, clairement, ça dure clairement plus longtemps. Et je voulais un truc court pour commencer tranquillement. Peut-être les années suivantes, faire un truc, un vrai morceau de jeu d'horreur. Mais là, je voulais un truc assez court. Et il a délivré. Franchement, pour moi, il a délivré. J'ai eu des frissons, j'ai eu des peurs. Il y a eu des moments. C'était sympa. Sur ce, à la prochaine.